Hein? Quoi? On est dimanche! Mais non, mais j'ouvre. On n'ouvre pas le campus le dimanche! Ah non, ils sont. Oh non, tout le monde est chez soi, de toute façon, là. Tout le monde est dépressif. Hein? Oh non, on va. Oh, si on ouvre, de toute façon, il va y avoir que ça, que les dépressifs, là. On a du lithium à l'infirmerie ou pas? Ouais, c'est la merde, hein. Des anxiolytiques? Non? Et le psychologue du campus, il est là? Merde. Bah, sinon, s'il n'y a pas de psychologue, tu prends de l'alcool? Ouais, prends du rhum. Le rhum, c'est le. Ouais, c'est le psychologue du pauvre, hein. Allez, vas-y, on va dire bonjour. Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Solstice Academy? Bon, attendez, rentrez. Quoi? Non, je me mets dans ma chambre. Ouais. On est bien, là? Hein? Eh? Ouais, on est bien, hein, on est bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On est dans ma chambre, hein, voilà, donc faites pas de bruit. Sympa votre chambre proviseur. Ouais, je sais. Ouais. Petite ta chambre, comme t'habites. Who are you? Your best teammate. Remember it. Et allez, c'est parti. On est parti dans la beaufrie aujourd'hui, hein, le signe de la beaufrie. Vous avez pas vu sur Instagram hier? J'ai posté une photo sans casquette parce que on me demandait une photo sans casquette. Eh bien, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que la majeure partie des commentaires, je me suis dit, vous êtes quand même d'énormes fils de. Si, un peu quand même. Ah si. Ah si, putain, elle est mioche de 14 ans là, j'en ai pris plein la gueule, sérieusement. Non, sérieusement, 50% et tout, je te jure quoi. Il y avait des gens qui étaient très gentils, et il y a vraiment des petits enculés, voilà quoi. Et moi, à chaque fois qu'on me fait un taunt, à chaque fois je réponds en taunt quoi. Je peux pas être en mode, ouais non, t'inquiète et tout, machin. Donc ça part souvent sur les mamans quoi, ce genre de truc là. Ouais, que voulez-vous, on se refait pas, hein. Je suis vraiment un gamin quoi. Parce que y a eu à peu près 10 fois dans les commentaires de ce truc, des personnes qui m'ont dit tu ressembles à Johnny Sins, et donc du coup moi, je tilte pas, tu vois, et je me dis Johnny Sins, bon, vu la moyenne d'âge sur Instagram, bon, ça doit être, je sais pas, bon, je dois être largué, je connais pas, ça doit être le compagnon de route de Bob l'éponge. Et je suis allé chercher sur Google image. Voilà. J'aurais pas dû. Parce qu'il y avait ma mère sur le campus en plus qui passait. Et donc du coup, elle m'a dit « Eh mais c'est Johnny Sins !» Salut, en espérant que ça aille dans la cagnotte pour aller en Turquie. Oui, je ne suis jamais allé en Turquie. J'aimerais bien aller en Turquie. Ce serait vraiment très très bien pour avoir de vraies belles vacances en Turquie. Espèce de petit bâtard. Embauché. Oh tiens, un astronaute. Quoi? Un astronaute. Mais parce que moi, j'ai pas la ref. Honnêtement. Parce que bon, bah du coup, c'est un acteur porno que j'avais pas du coup. Donc c'est pour ça, après, on m'a dit, ouais, tu ressembles à un acteur porno. C'est pour ça que j'ai envoyé un tweet en taguant Manuel Ferrara et je lui ai dit comment je dois le prendre. Que voulez-vous que je vous dise? Et donc, j'avais pas la ref. Et donc, après, j'ai pas la ref quand les gens me disaient, c'est l'homme qui a plein de métiers. Et je comprenais pas, tu vois, dans ma tête, je me disais, c'est un mec de jeux vidéo, genre Hitman, tu vois, j'avais pas du tout la ref, en fait. Et je suis allé voir. Hein? Je me suis bien fait avoir, pour le coup. Six, c'était parmi les 40 sosies de Johnny Sins. Mais arrêtez avec ça, sérieusement. Après, je suis allé voir, le mec qui est pas trop dégueulasse, ça va. Moi, mes potes m'appelaient Jason Statham, The Wish, du coup, la version après le vaccin. Bon bref, tout ça pour dire, c'est la dernière fois que je mets une photo sans casquette de moi sur Instagram. Mary avait posté son cul sur Insta. Ah, je pensais que c'était une photo de profil. Allez, c'est parti. On y va, hein. L'humour. C'est le signe de l'humour aujourd'hui. Allez, mission. Alors regardez, ça c'est pas la classe. Notez. Oh, ça. Oh, c'est sympa. Que vous voyez un truc qui est pas orange, là. Ouais, non, j'ai fait ça hier. Tous les challenges faits. Et tout est fait, quoi. Voilà. Je vous montre un peu. Voilà, quoi. Comment ça claque un peu. Regardez-moi cette pop flash et tout. 3 secondes là. Time to say quoi? Et voilà, c'est terminé. C'était juste pour flex un petit peu quoi. Bon, aujourd'hui on va faire une mission qu'on a jamais faite. Donc on a fait la grande, hein. Est-ce qu'il y a toujours le... Juste pour le plaisir des yeux. Quelqu'un peut faire un screenshot? Et me l'envoyer? Voilà. À quoi ça ressemble? Une vraie planification. 3h45 de planification. Bah derrière, ça tape dur en revanche. Quel bordel, mais tout un truc. Mais là, c'est la classe quand même. Personne fait ça. Envoie 2 smokes, 4 smokes qui partent.
Pam pam pam. D'ailleurs, on fait le alpha. Eux, ils vont aller clear tout ça en fait. Et on met quasiment 6 personnes qui regardent ici et qui envoient beaucoup de grenades parce que normalement, il y a une dizaine de personnes ici là. Là, il va y avoir de la pop grenade qui va taper là. Ils sortent le truc, mais ça leur pète dans la gueule. Il y en avait un là, il est mort. Ici, c'est en train de faire le taf avec deux mecs qui travaillent comme des ouf. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tac, 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 on se couvre. Regardez-moi cette ouverture de porte pendant que l'autre a la ligne. Ok, ouverture de porte, c'est lui qui prend le relais. Et il est mort. Les deux mecs arrivent et vont se mettre sur un delta. Derrière, re-smoke pour venir couper tout ça pour qu'il y ait une avancée ici. Ici, on met un delta pour directement prendre des lignes supplémentaires sur le côté. Ah mais merde, ils sont tous équipés en flash. Ah pourquoi? C'est pour ça, ça pue en fait. Ils ont pas le bon stuff. Pour ça, je me disais, putain, ils arrivent pas à taper. Ils sont en MP5 en plus. Ils sont en MP5, ils peuvent pas mettre les kills. Ils sont en MP5 SD. Piu piu. C'est ridicule, hein. Normalement, ils sont équipés en SCAR, voire en M16A4. D'ailleurs, ça décale ici. Bam bam. Double pop flash pendant qu'il est en train de décaler. Mais ça va manquer de kills, je pense. Lui, il a bugué. Tu vois, comme quoi. Lui, il a grave bugué, on sait pas pourquoi. Normalement, il vient là. Et c'est lui qui doit tout faire en plus. Ah ouais, oui, il a bugué. Donc ça marchera pas de toute façon. C'est dommage parce que c'est lui qui fait tout en plus à la fin. C'est lui qui doit tout faire. Là, il y a une ouverture avec un mec en face. Il meurt direct. Là, on a un mec qui sort, qui va... Regarde le travail. Hop, hop, hop. Là, on travaille bien. Ouverture de porte au cas où il y a un mec derrière. Personne, c'est clear. C'est clear. Switch de weapon. Ouverture de porte. Oh là là, oh, call 45. On vient se cader sur le côté, c'est bon, c'est fini. Et normalement, ça devrait terminer. Bah parce que lui, je sais pas pourquoi, il déconne, quoi. Là, normalement, lui arrive, fait péter la vitre qui est en face de lui avec une grenade, arrive ici, fait tout le tour, vient faire le kill ici, et les derniers kills doivent être par là, là. Ou là-dedans, d'ailleurs. Mais voilà, quoi. Mais ils étaient pas équipés, de toute façon. Parce que là, ils ont du MP5. Du MP5 pour faire des kills à 40 mètres. Voilà, quoi. 8 troupes déployées. Si on veut le faire en un seul plan, il va falloir au début ne pas faire un seul plan. Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas comment réagissent réellement les otages. Enfin, les otages et surtout les bonhommes à côté, quoi. De temps en temps, les bonhommes sont juste là et ils font rien. Mais en règle générale, quand un mec est comme ça, en règle générale, c'est qu'il y a un bonhomme qui est là en face avec une AK, quoi. Et si tu t'approches, tu fais du bruit, tu déclenches une alarme, il se peut que... tu vois, ça fasse... Time to say goodbye. Et il le bute. Donc ça, et ça, je sais pas vraiment, en fait, comment ça marche à chaque fois. Donc voilà. Toujours est-il que là, j'ai bien envie de caler un snipe sur une ligne comme ça. Parce qu'elle a l'air complètement insane, cette ligne. Ça me paraîtrait assez logique. Forcément, péter du mur. Toute cette partie-là, là, peut être pétée, je pense. Là, le problème, c'est ça. Là, il va falloir balancer de la grenade direct. J'ai jamais fait cette mission. Mais quand tu vois ça, les sandbags, ça, c'est pas bon signe. Donc, de la grenade. Parce que si les mecs se mettent accroupis, ils tirent à la tchétchène et tu peux rien faire. Là, j'ai bien envie de breach là. Je sais pas si ça breach les deux murs. J'ai jamais fait ça avec un truc aussi petit, en fait. Breach ici. Décalé ici. Flash ici. Ok. Flash ici. Égal, il a une ligne directe. Hein. Mais il a pas la ligne sur le mec qui le voit. Que j'imagine le mec ici ou en train de se balader quelque part dans la pièce, quoi. Mais bon, s'il est là, on est dans la merde, en fait. Donc, faut aller chercher des mecs. Il faudrait faire quasiment la même chose, peut-être, de l'autre côté, à la limite. Avec une ouverture là. Bridge ici, là. Une personne qui vient se mettre là. Les flashs, en fait, font péter les fenêtres. C'est pour ça que je dis les flashs. Ouverture de ça, et on défonce le mec direct. Donc, c'est assez rapide. C'est pas si dur, quoi. Le problème, c'est qu'il y a un otage qui est montré. Mais il y en a d'autres sur la map. Il y a marqué hostages, avec un S. Voilà, quoi. Donc, je sais pas combien il y en a, en fait. Ça, c'est le problème. Marksman, pour moi, il va venir... Là, je pense qu'un deuxième marksman peut venir là avec une ouverture sur la porte. Ça, c'est une porte une grating door, donc on voit à travers. Mais bon, ça, c'est le genre de truc où souvent je vais taper, je vais balancer 12 000 grenades par-dessus le truc avant de m'insérer. Là, on peut avoir une insertion assez sexy, je pense, avec deux personnes. Parce que derrière, c'est assez facile à clear. Ici, ici et là. Puis là, puis couvrir ici. Ouais, c'est un peu de la merde. Il faut venir travailler là, quoi. Peut-être découper à la limite la map en deux. Un truc comme ça me paraît pas si déconnant, un peu déconnant. Et venir jouer la ligne... Ouais, là, il va y avoir de la merde, c'est sûr. Et venir jouer la ligne de là, là. C'est une vitre ou une porte, là. Non, ça me paraît pas déconnant. Bon, pour le moment, on va y aller en mode tranquille. Peut-être les mettre sur du SCAR, à la limite, franchement. Sur ça, on va les mettre sur un holographique. FMJ, il y a que ça, de toute façon. Ok, et je vais les mettre sur du lent. On n'est pas trop mal, donc du coup, il faut 6 bonhommes de plus. On va faire ça, on va faire ça. On va voir comment réagissent les terreaux, en fait. Déjà, rien qu'un truc comme ça. Après, on peut quand même s'appliquer, hein, bien évidemment. Flash, bravo, check. En fait, le but du jeu, c'est... Il vient checker, il balance une flash, ça fait péter les vitres. Et là, il prend cet angle-là. Enfin, il prend cet angle-là. Et après, il vient chercher cet angle-là derrière. Ça, c'est le snipe. On va choper la meilleure ligne. On va faire ça. Voilà, à la limite, on va le faire sur un call alpha, bien évidemment. Il peut smoke.
Et derrière, bien évidemment, il vient scan avec ses potes. Ok, légèrement décalé. Ça donne une ligne supplémentaire. Ok, et je pense qu'on n'est pas trop mal. Et le but du jeu, c'est de regarder là. Juste ça, déjà. Ce serait déjà pas mal. One eternity later. Donc ça, tac, 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 tac. On n'est pas trop mal. Ensuite, ouverture là-dessus. Ouais, avec un check quand même ici. On va lui dire de regarder cette ligne là. Là, c'est intéressant, c'est le passage de la porte. On peut pas lui dire... voilà, ça, à la limite, on peut le faire accélérer. Non, plutôt là, en fait. Moins délicat. Ça, c'est pas trop mal. Tu fais ça, tu cours, tu bouges ton fion et tu vas sauver tout le monde. Voilà. Dans la logique des choses, ce serait pas trop mal. Boum. J'adore à quel point ça fait péter tout le mur, quoi. Là c'est propre, là c'est propre, là c'est propre, là même si ça bouge maintenant on est des monstres. Là, une grenade qui fait des kills, ça fait des kills, ça fait péter l'hydrogène. On avait tout calculé tout à l'heure. Lui, il balance de la grosse grenade sa race. Lui, il sortira pas son RPG, il voulait pisser près du mur. Petite grenade là, pop flash, décalé. Mais il y a personne, on se couvre. Ok, je sais pas pourquoi ça. Parce que l'autre est à la bourre. Lui, il travaille, il travaille, il travaille. On est bon. Là, c'est marrant de voir un mec ici. Lui, il a swap web. Là, ça c'était propre. Avec l'ouverture de la porte, on est hyper. On n'a même pas besoin de la grenade. C'est peut-être même mieux qu'avec une grenade au final. Ok. Lui a déjà clear, donc c'est pas très très grave. Bon bah là, normalement, il devrait y avoir personne. Ça mettrait qu'il y a un deuxième. Mais t'as hot tub. Oui, oui, oui. Là, ça met du one tap avec les mecs qui sont protégés. On est bon. Ah, let's go. Bizarre, hein. Ok. Lui, en revanche, il fait son kill au flingue. Ah mais lui, il défonce tout, quoi. Le nombre d'XP qu'il va faire. L'autre, il a bien travaillé, il se met dans son truc. Bon, il y a pas, je sais pas pourquoi je vais faire garder là. C'est pas très très grave. Au final, on lui a enlevé sa grenade. Là, ça travaille bien tous les deux. Lui, il attend le premier de Charlie. On balance une flash qui, normalement, ne sert à rien. Là, pareil, les décals servent pas à grand-chose. Là, cette flash-là, j'ai pas l'impression non plus qu'elle sert à grand-chose. À part trigger ce bonhomme. Vas-y, shoot. Nice, c'est un monstre. Let's go. Alors là, c'est le truc final. Alors là, il met un snipe. Ah, regarde. Si la porte était ouverte, on n'aurait pas de problème, je pense. Là, on swap sur la deuxième arme. On prend une ligne. La porte est pas ouverte. Et là, il est en mode discret. Normalement, on a un truc pas trop mal, quoi. C'est parti. Comment ça 2 minutes 20? Comment ça 3 minutes 53? Ok. Bon alors, il faut tout refaire. Il faut absolument tout refaire. Hein. Voilà quoi. Non,